Oyo, somalo, kodoma ishi. Excusez-moi, j'étais encore à fond dedans. À fond dans quoi? Dans un shmup en fait. Oui, un shmup qui parle japonais, évidemment. Et un shmup qui parle japonais avec des sabres. Vous y croyez, vous? On va retourner dans Vazara. Oui, Vazara, vous l'avez déjà vu, puisque j'ai déjà chroniqué Vazara 2. Et je fais un peu dans le désordre. Et du coup, ce serait dommage de ne pas faire le premier tout de même. Alors, pour rappel, Vazara, c'est un shooter vertical qui va vous demander pas mal de skills quand même et de flexibilité, on va dire. Et qui est très rigolo parce que moi, il y a un truc qui me marque dans ce jeu, c'est que quand vous percutez un ennemi, vous ne crevez pas, vous n'explosez pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Il vous bourre, il vous pousse, il vous bouscule. Pour peu que ce soit pile au moment où il y a une douche de boulettes qui arrive, je vous garantis que c'est très très pénible en fait. Ce petit détail qui change pas mal de choses. Et je vais invoquer le sempiternel Fel. Est-ce que je vais l'avoir aujourd'hui? Fel, es-tu avec moi? Fel, est-ce que tu me reçois? Fel, est-ce que tu me perçois? La réponse, tout de suite après un message de gastronomie anticipée. Oui, la gastronomie anticipée, c'est pour quand il n'y aura plus de ressources sur la Terre et qu'on mangera tous des cailloux. Je suis en avance sur mon temps, je sais. Alors, le temps de me recaler tout le bordel à l'écran, et regardez-moi cette intro du feu de Dieu. Oyo! Ouya! Ouyu! Alors, ce shoot des années 2013 inspiré Asie médiévale a quand même pas mal de particularités qui le rendent rigolo au-delà du fait qu'on se met des poussettes avec les ennemis. Il dispose d'un tir chargé. Alors, le tir chargé, d'une part, il a un poil long à charger. Et puis, d'autre part, c'est pas dit qu'il vous rendra tout le temps service en fait. Puisque la contrepartie, c'est de pas tirer. Et quand on tire pas, qu'est-ce qui se passe? Les ennemis s'installent, ils sortent leur petite table dépliable de pique-nique et ils commencent à déballer les boulettes. Forcément, au bout d'un moment, sur l'écran, ça devient trop le bordel. Vérification mounette. Fait chaud, c'est moi. J'en mets quelques-uns, je crois que ça va pas trop bien se passer. Alors, le lever sale comme ça, ou lever sale comme ça, ou lever sale comme ça. Moi, ça me va bien les tirs en V, vous me connaissez. Hein. Alors, une touche, tir normal, une touche, tir chargé, c'est la même, et des menus à récupérer, bien entendu. Je m'éloigne un peu. Oui, j'ai besoin de recul pour avoir une vision d'ensemble de l'écran, sinon ça va super pas bien se passer. Si je garde appuyé mon bouton de tir, je fais un tir chargé qui est... Allez, je vais vous faire voir, parce que je suis de bonne humeur. Qui est comme ça, voilà, et qui me cancelle les boulettes au passage, c'est pas mal. Long lui, tu ne veux pas t'arrêter les gars, j'en veux pas tes boulettes, je sais ce qu'elles font. Là c'est le premier niveau, mais j'ai vu ce qu'elles faisaient à un autre niveau. Oui, des boulettes suicides qui tirent en étoile au moment d'exploser. J'ai de la mémoire quand même. Oui, parce que j'ai fait quelques runs préalables, puis je connais un petit peu ce jeu en fait, je l'ai lancé déjà 2-3 fois, j'ai jamais vraiment joué dessus. Mais il mérite qu'on s'y attarde. Comment ça, je spoil la fin du stream? Bah oui, forcément, ce jeu est sélectionné. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Pas vraiment. Parce qu'on est quand même dans du classique, à mine de rien. Si on fait abstraction du pixel love pour faire ces décors en bitmap, magnifique, j'ai fait une énorme erreur. Donc si on fait cette abstraction sur le pixel love et le design particulier du jeu, le shooter en lui-même, ça reste un shooter. Quoi. Il va pas monter la crème fouettée, quoi. Oui, vous l'entendez, le travail du pad, toujours. Pour celui-là, est-ce que je recommande le joystick? Pas forcément. Ça se gère bien au pad.
le tout étant de savoir alterner les grands drifts et les petites saccades nécessaires à passer entre quelques rideaux qui seront un petit peu trop épais. Bah, il veut pas crever. Alors, le truc sympa aussi dans Vazara, il y a les boss aussi qui vous poussent. Sans s'en douter. Mais c'est le côté bande dessinée avec ces persos super cartoon pour le scénario qui est toujours en carton. Ça va bien avec cartoon. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais me taire parce que je crois que j'ai rendez-vous avec mon destin, c'est-à-dire la mort, il me semble, dans pas longtemps. Ça passe, mais là, ça a trois poils de... Trois poils de quoi, d'ailleurs? De kangourou? De poney? C'est pas fini! C'est pas fini! C'est que le début d'abord, là-bas... Ah! Il me met des coups de patte! Fumier, là. Ça me fait penser que j'ai toujours pas essayé mes super pouvoirs. Il est temps de s'en occuper, les amis. Vous voulez voir ce fameux super... Mais il me pousse! Le voilà, mon super coup. Et sinon, j'ai ma bombasse toujours en réserve. Faudrait que je récupère mes bonus un jour, ce serait sympa. Ah. Bah là, voilà, la bombasse. Bah, j'ai pas eu le temps de m'organiser pour récupérer mes bonus. J'ai eu un moment de panique. Et le moment de panique dans un shmup, vous savez très bien que c'est l'ennemi du joueur. À quoi repère-t-on les moments de panique chez Monsieur K? Il se met à parler très vite, étrangement. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué? Oui, je me calme. Le passé passé. Alors, je me rappelle plus si ce jeu est très très long. En tout cas, il va vous demander un petit peu de boulot avant d'arriver à vous balader un peu dedans comme vous, vous avez envie. Parce qu'au début, je vous garantis que les premières parties, c'est le jeu qui vous balade. Oh non! Alors le truc que j'ai cru observer qui est rigolo aussi, enfin qui est traître surtout, c'est que le jeu... quand il y a les petits intermèdes en case de BD, c'est pas pour autant qu'il arrête le gars. Donc derrière, si vous regardez, si ça tire, ça tire encore. S'il y a des gars présents du menu frottin, vous êtes capable de vous prendre une boulette de menu frottin. Putain, qu'il est pénible lui! Rien que pendant la pseudo-cinématique, quoi. Et en général, ça fait très mal, et vous êtes très, 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 très malheureux. Même le panda du harcèlement sexuel n'est pas aussi malheureux dans la vie. Je vous le dis tout de suite. Et sur celui-là, j'aurais dû quand même brancher le retour caméra, parce que je souris quand je joue à ce jeu, parce qu'il est... Il est très prévisible. Mais il en demeure pas moins intéressant, justement, parce que les patterns sont placés exactement comme il faut, quoi. C'est... On pourrait vous faire ça, ça serait emmerdant. On pourrait vous faire ça aussi, ça serait emmerdant. Mais le plus emmerdant et le plus rigolo, c'est de vous faire les deux en même temps. Et le coup des petits persos qui apparaissent pour de derrière vous, pour remonter, vous les touchez, ils vous font pas péter, mais ils vous décalent. Je vous garantis qu'à cette partie-là du niveau, c'est pas gênant. Maintenant, si ça arrive à un autre moment, à partir du quatrième niveau, pousse-toi. Je vais avoir des problèmes. Parce que ça arrivera quand il y aura des rideaux de boulettes en même temps, et ça va être tragique. Bibi, 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 bibi. Bah, 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 bah. Bibi, 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 bibi. Bouge, 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 bouge. Hein? 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 Bibi, bibi, bibi. Ok, bah, 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 bah. Oui, bah, c'est... On a tous nos méthodes hein, pour mémoriser des trucs. Donc je me rappelle du jeu à peu près jusqu'à ce niveau. Et après ça va être en roue libre. Voilà, c'est ça que je me rappelle. Parce que ça je les ai souvent pris dans la gueule. Ma bombe elle est pas partie. J'ai appuyé, ma bombe est pas partie. Ah! Tu voudrais bien crever, gars? S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, allez, pour me faire plaisir. Sois sympa. Oh, des fois je bouge trop tôt, c'est incroyable. Tiens, c'est pour être sûr que t'es mort. Non, 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 non. Putain, non. Ah. Il y avait une idée. Il y avait un bout d'idée. Et ça n'a pas abouti. Je le garde pour le prochain tour. Parce que ça va louper ce pattern, c'est obligé. Et un pattern loupé n'est pas forcément raté. Oui, je m'ouvre.
The Big Lebowski, l'essentiel de... Ah non, 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 non. Calvaire, mais quand c'est que tu crèves, toi? C'est bien, quand je demande, ils le font. Je crois que je vais me servir de cette technique maintenant. C'est quand est-ce que tu crèves? Et normalement, dans les 3-4 secondes, l'obstacle disparaît. J'entre en terre inconnue. Et mon petit doigt me dit que... Il aimerait bien rentrer à la maison. Se mettre dans le canapé. Prendre la télécommande. Allumer cet écran du siècle dernier. Et regarder une chose absolument débile. De toute façon, il n'y a plus que ça, la télévision, si on regarde bien. Vous seriez pas là, ainsi. Et donc, siroter en même temps une boisson fortement alcoolisée et âgée. Et survivre au milieu de ce merdier, putain. Non, ça ne passait pas. Je cherchais une solution, mais je l'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'il vient de faire comme blagueur? Il a la tête du blagueur, quoi. Tu as une tête de blagueur, je te le dis. Et ça continue d'arriver, hein. Je vous mentais pas. Les gars, vous avez des pseudo-cinématiques et ils font... Pendant qu'il est occupé à lire, lui, si on lui faisait une blague... Non, 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 tu ne fais pas ça. Biche! Dans ta quiche. Ah, celui-là, t'as dû le sentir. Je veux pas faire le prétentieux, mais... T'approche pas trop! Non, mais non. Ah ouais, bon. Zut. Alors, eux ne sont pas sympas du tout. Mais alors, pas du tout, quoi. J'arrive pas à me caler au millimètre. Bonjour. Au revoir. Mais non! Je suis plus dedans, là. Je suis plus dedans. Infirmière! Vaccin booster! Ouais, suite 15 ans d'âge. Oh, voilà. Et approche-moi l'eau des lèvres, je peux pas lâcher le pad. Ça va bien se passer. C'est pas celui d'habitude, celui-là. Ah, non, ça va pas bien se passer. Reste à côté avec la bouteille. Alors, je vous rappelle que les ennemis ne vous défoncent pas la gueule s'ils vous touchent, mais ils vous déplacent. Donc lui, j'ai intérêt à rester à des endroits précis. Là, il m'a recadré. Hein. Hop, putain, 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 stop, stop, stop. Se faire recadrer. C'est fini, tu joues plus avec tes papates. No more papates, bonhomme. It is finito. J'arrivais pas à trouver le trou pour me positionner, je suis désolé. Des fois, j'ai un peu de mal à improviser le passage. Et mes bonus foutent le camp bien en haut d'écran, histoire que j'y ai pas accès, quoi. Ce serait donc... Quel intérêt d'y accéder? Tiens, on va te coucher. Papa, Space D. Ah, pourtant, je me bats. Hein. Hop, petit cancel dégueulasse. Hop, petite bombe crado. Et je me jette sous une boulette sans gloire, ni jugeote. J'étais en train de charger, de se tir charger, est ultra long. Laisse-moi récupérer mes bobos. C'était pas très très beau ce boss. Je suis le premier à l'admettre. Wonderful, c'est pas ce que j'aurais dit. Alors, où qu'on en est là? Ah oui, il y a du rab encore. Merde. Je suis très fan de ces tirs croisés. J'ai raté le bonus. Purée de bordel de... Bouge pas. Faut que je me dise des fois, faut que je me dise des ordres à haute voix. Sinon, j'arrive pas. Allez, regardez-moi ça, la blague des mecs qui arrivent derrière. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Ces espèces de. Ouais, je me mets tout seul dessous parce que ça m'a contrarié. Je suis, ça y est, je suis énervé. Alors, est-ce qu'on aurait pas loupé le jeu des fois? Je suis en train de me demander là parce que ça me dit quelque chose. Ce bateau, ce non. À part qu'il y a plus de monde, il y a plus de tirs, il y a plus de bordel. On va appeler ça comme ça s'appelle. Je peux pas avoir encore des bonus. Regardez-moi ce beau mec.
C'est ce qu'on appelle un beau mec. MECH. Ah non, t'es vraiment un connard. Quoi? Tiens. Oui, bah, j'ai tout donné ce que j'avais là, les gars. Je peux pas plus. Boum, 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 boum. Laisse-le faire. Voilà, il fait son malin. Tiens, va manger des moukrennes. Bibi. Faut du rester au milieu. Faut rester au milieu de ça, faut que j'y pense. Et ça continue d'arriver, les ennemis parasites. Et vous, vous êtes au milieu, comme un cake, en vous disant. Mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourquoi tant de violence pour mériter la paix? Non, je veux respirer avant. Toi, t'as l'air super commode avec ton petit engin qui est... Il n'encombre pas l'écran du tout, regarde. Ah oui, le rayon, il marche bien, je confirme. Je vais rester là, moi. Non, non, je bouge. Je vais rester là. Je vais me faire les tuyères extérieures, tranquille. Hein. Et puis, on verra pour le reste. Hop. Oh, les bonus qui se barrent, c'est pas très sympa. Hein. Moi, j'ai eu de la peine. Non, il y avait une belle action, bordel. On ne fait pas ça, monsieur. J'ai déjà passé mes 10 crédits. Quel carnage. Bon, celui-là, tu t'en serviras plus trop, je te le dis. Ça, j'enlève. Ça me plaît pas. Ça, on va le régler maintenant. Le rayon, bordel. Non, ça ne passe pas. Mauvais endroit. Mauvais moment. Rayon. Il y a une temporisation à choper, j'arrive pas à la choper. Voilà, et là, hop. Et là, là, hop. Et voilà. C'est dommage de la choper sur la fin du boss, quoi. Ça méritait mieux, je pense. Puis je vais remettre quelques crédits parce que j'ai des doutes là, sur ce qui va m'arriver. Oh le bougre, le fripon, il a envie de jouer lui. Hein. Ah, t'as envie de jouer toi. Oh oui, t'as envie de jouer. Oh que t'es coquin. Alors avant de maîtriser ce damné jeu, il va vous falloir le rôder un petit peu, je crois, parce que vous avez vu le carnage. Les boss, ils ont pas trop de tolérance. Le reste du tableau, ça se passe. On peut improviser, on peut faire ça à l'arrache. Il y a moyen de gérer l'ingérable. Mais le reste du temps, vous prenez cher. Très cher. Non! Et quand Monsieur Khan cause plus trop, c'est qu'il a envie de jouer. Là, pour pas être trop honteux, je vais pas trop parler. Tiens, pour le temps, il y a encore des gens qui arrivent. On fait une alerte boss, on met des trucs de BD par-dessus. Et on envoie encore des gars, quoi. Bon, toi, tu as fun back. T'as la tête du mec qui est plein de blagues. T'as, depuis le temps que tu voulais me mettre sur la tronche celui-là, tiens. Prends. Ça va faire par la maison celui-là. Ah, fais-moi le malin là. Hein, fais-moi le malin. Hop hop hop, qu'est-ce qui se passe? Et... Tu étais donc nu tout à l'heure? Plus vicieux cela, hein. Merde.
n'avez pas bougé, monsieur. Oui, c'est plus tendu quand les deux patterns se mélangent. On va faire ça un peu sale pour le démarrage. Hop, 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 hop. Non! Oh là là, le chocho! Il n'y a pas moyen de récupérer mes bonus qui flottent là-haut désespérément hors de ma portée. Ah, et quand je dois les récupérer, il faut que je bombe comme un salaud, quoi. Tu fus pénible, mon ami, tu fus très pénible. Est-ce qu'il y a encore des niveaux? Je me pose la question. Alors, s'il reste encore du niveau, je vais carrément me taire. Oui, parce que je peux pas, là. J'ai vraiment l'impression qu'on la loupe. C'est le redémarrage, ça, c'est le premier loop. À part qu'il y a une densité de boulettes qui est un poil dégueulasse. Non? Oui, peut-être. On va aller jusqu'au boss. Hein. Au moins, on reconnaîtra tout de suite si on est déjà passé par là ou pas. Bon, bon. Ah putain, je sais pas bien m'en servir ce fonction tir chargé là. Qui chez moi fait de la merde là. Oh là là, ça devient chaud. Je crois qu'on a bouclé là le jeu. Scheiße. Alors, le truc, je crois avoir compris. Si vous avez remarqué tout à l'heure, quand je faisais un game over, je repartais exactement où j'étais. Là, sauf erreur de ma part, il m'a remis au début du tableau. Ce qui veut dire qu'on est sur le tableau final. Et qu'il va falloir mériter ce boss. Et déjà, le voir, ça devrait être une sinécure. Rien que le voir, faut payer, quoi. Nous ne verrons jamais le boss du tableau final, je vous le dis, mes amis. Est-ce que ma théorie est vraie? On va juste vérifier ça, quand même. C'est bien ça. Voilà, donc, boss final, ça se mérite, les amis. Si vous avez fait le cake comme moi en rajoutant des crédits pendant toute l'avancée des tableaux, vous allez arriver sur ce problème. Et donc, il faudra, again and again, vous entraîner sur les différents niveaux du jeu pour vous faire la main et mériter votre damné dernier boss. Et ça, moi j'aime bien quand c'est comme ça dans les jeux en général, c'est très fair play. T'as voulu faire le cake, mais t'as pas le niveau vraiment, t'as juste des sous. Alors paye, souffre. J'aurais bien des bonus de tir des fois, les gars. Un petit peu. Comme ça, hein, pour le décor. Pour la frime. Oh, pour ma mère, j'avais promis que je leur amènerais un lance-roquette type ZH-304, c'est ça? Tirer les B. Ils ont changé les modèles depuis, et je sais plus lequel. Je donne leur nom. Pourquoi je dis n'importe quoi? Bah, parce que je dois me vider le cerveau pour cette partie du jeu, vous l'avez bien compris. Sinon, on ne le verra pas, ce boss, et bien non, on ne le verra pas. Ça avait l'air tellement bien. Tu veux voir le boss final réel de Vazara? Eh bien, tu vas être obligé d'en venir dans un big game of ski un jour ou l'autre. Mais que la vie est bien faite. Vazara, tu es totalement validé. Je ne vais pas te mettre dans les top jeux. Parce que t'es... Sorti de cette ère typée graphiquement, il n'y a rien d'extraordinaire. Ces patterns, on les a déjà vus. Ces types de bestioles, bah, pas vraiment dans leur représentation, mais dans les mouvements, c'est des choses qui ont déjà existé dans d'autres jeux. Donc voilà, oui, mettez-le dans les sélectionnés. Si vous êtes fan, je le comprendrai tout à fait que vous y jouiez toutes les semaines. Il n'y a pas de raison pour ça. Ne vous retenez surtout pas. Je vous laisse avec les deux streams habituels, la playlist généraliste, celle de des shmup, et je vous rappelle qu'il faut vous abonner parce que c'est vachement pratique pour savoir quand il y a des news qui sont postées. Et un rythme quotidien comme ça arrive tous les jours à 19h, il y en a des news.
À demain, ciao.